À événement exceptionnel, vidéo exceptionnelle. C'est très grave. Retour précipité du président de la République et de son voyage au Congo. Il s'est retranché avec tous les membres du gouvernement dans un endroit tenu secret pour affronter avec courage les deux prochains jours de canicule, c'est-à-dire ces jeudi et vendredi qui arrivent, et cette canicule devrait s'abattre sur 3 départements de la France. Et là, je viens d'apprendre à l'instant que l'alerte est désormais étendue à 53 départements, voire plus. Tous les Français, sans exception, sont inquiets, même ceux qui ne le sont pas. Vous rendez compte, ça fait du monde. Les épreuves du brevet sont reportées avec les conséquences dramatiques qui en découlent. Les parents vont devoir reporter leurs vacances et boire moins de bière. Le ministère de la Santé a pris une mesure exceptionnelle. Durant ces 2 prochains jours, tout le monde aura le droit de faire son shopping nu, complètement nu. Aucune atteinte à la pudeur ne sera retenue, à condition bien sûr de faire du shopping. Jeudi, c'est pour ça que je vous préviens, il y a un pic de 36 degrés qui devrait être atteint avec une température ressentie, c'est incroyable, de plus de 50 degrés. Actuellement en France, il fait plus chaud qu'au Congo, et même au Congo, il fait plus chaud qu'en France. C'est fou. Mais on va crever, on va crever. Pour affronter cette canicule exceptionnelle, pour un mois de juin 2019, ça n'est jamais arrivé avant, le gouvernement est retranché dans son bunker et il s'est fait livrer 12 climatiseurs fabriqués par des Inuits, par des Esquimaux. Parce que là, on est sûr qu'ils sont efficaces. Les climatiseurs Inuits sont tellement performants que dans leurs igloos, ils mettent du chauffage en même temps que leur climatiseur. Maintenant, un conseil pour tous les Français. Buvez, buvez et encore buvez. Faites boire les vieux, même s'ils n'ont pas soif. Les vieux doivent boire. C'est sans aucun doute leur dernier devoir de citoyen qu'ils auront à remplir. Enfin, boire et payer aussi leur dernière facture. Alors, si vous trouvez des oiseaux morts de soif par terre, faites-les boire. Montrez-leur comment il faut faire pour boire. S'ils sont perchés trop dans les arbres et que vous ne pouvez pas les atteindre, appelez le service d'urgence au 0800, etc. Des échelles fraîches sont prévues pour ça. Chez vous, coupez votre chauffage. Ajoutez à la canicule, toute source de chauffage est dangereuse, est extrêmement dangereuse, voire mortelle. Si vous avez des caramels mous et des glaces, notamment à la vanille, placez-les immédiatement au congélateur. Sinon, elles vont fondre, tout va fondre, même les caramels mous. Ils vont fondre de façon dramatique. Vous, d'autre part, en étant adulte, si vous ressentez une sensation de soif, ne vous affolez pas, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il fait chaud. Alors, un conseil, buvez, buvez, buvez. En France, quelques îlots de fraîcheur seront disponibles en Bretagne, où il ne fera que 27 degrés. Une vague humaine est déjà en route pour prendre place. Des colonnes entières de migrants, France-Bretagne, ont été perçues tôt ce matin, là, à la fraîche, ce mercredi matin. Ils étaient entièrement nus, chargés de lourds bagages rafraîchissants. 2 jours de canicule. Mais les Français n'ont pas de chance quand même. Nous, on en a marre, on en a marre. Parce que cette année, on a affronté l'hiver, après ça a été printemps, et puis là, maintenant, c'est le 21 juin où on est en été. Non mais ça n'arrête pas, et c'est pas fini, parce que l'automne arrive, avec la chute impressionnante de toutes les feuilles là, qui vont tomber et qui vont boucher nos gouttières. Ça va encombrer nos gouttières. Les Français en ont marre, marre, marre de chez marre. Vive les gilets jaunes! Alors, maintenant, bonne nouvelle. Au 1er juillet, il n'y aura pas de baisse du prix de gaz et de l'électricité, puisque l'augmentation a eu lieu le mois précédent, au mois de juin. Bon, heureusement. Quand il fait chaud, bon, on ne s'en sert pas. C'est normal. Et c'est très bien. Alors, normalement, oui, je sors une vidéo tous les vendredis. Or là, comme vendredi, il fera très très chaud, il y aura un pic caniculaire, et que je serai occupé à boire, eh bien, selon les directives du gouvernement, eh bien, ma vidéo sortira ce vendredi à 17h, comme d'habitude, exceptionnellement.